On va jouer un jeu NES de 2017. Il faut savoir que la NES en France, elle est sortie en 87. Et là, on joue à un jeu qui sort en 2017, soit 30 ans après. Alors, c'est pas parce qu'ils ont mis 30 ans à le développer. Hein. Sinon, il y aurait un gros problème. Mais en tout cas, voilà, Antoine Gohin va vous parler de tout ça. Peut-être que tu préfères qu'on t'appelle par ton pseudo. Antoine, voilà. Bah vas-y, je te laisse prendre place. Bonjour, ça va bien? T'inquiète. Enchanté, ravi de faire ta connaissance. Est-ce que tu veux quelque chose à boire? Oui, vous avez quoi? On a de l'eau, on a du café. C'est bon. Tiens. Et je vous laisse. Merci. Coca. Merci. Merci. Alors, merci beaucoup. Alors, je vais passer le micro à mon frère. C'est pas grave. Allez, on échange. Bon, bah, mon frère jumeau veut pas venir. Ah non, finalement, d'accord. Est-ce que tu... Ah, mais comment est-ce que j'aurai l'occasion de rencontrer Canapé? Pas possible. Eh oui, bah, en gros, on est quatre dans l'équipe. Wow. À la régie, on a Camille, Johan, et puis mon frère jumeau pour leur présenter les jeux, et puis ouais, moi-même, Brice. Voilà, on a présenté vite l'équipe et on passe tout de suite à Twins Dragon, qui est passé déjà hier et qui a rencontré un certain succès quand même, hein, faut le dire. J'ai pu tester jeu parce que j'avais pas réussi à le tester ici. D'accord. Et il était vachement bien, vachement dur aussi quand même. C'est un jeunesse en même temps. Déjà, le jeu il est super dur, j'arrive même pas à baisser le menu avec les flèches. Alors, c'est à l'ancienne avec Select. Avec Select. Oui, j'avais deviné déjà. Ça te permet de faire un mot de passe pour être invincible comme ça. Oh! Vraiment à l'ancienne, avec oui. Le petit côté cryptique des autres jeunesses d'avant. Voilà. J'aime bien. T'es obligé de décoder toi-même. Que pour les tests, j'imagine. Quand tu testes le jeu, tu te mets invincible. C'est ça. Automatiquement. Parce qu'il est trop dur, par exemple. J'aime beaucoup ce détail déjà, là. Ça se voit que c'est soigné déjà. Easy, voilà, c'est beau, c'est clair. Là, c'est un peu la pénombre. Là, c'est hard. Hard les ténèbres. C'est écoute, la nuit, ça fait peur. J'assume le fait que je ne suis pas trop hardcore, malheureusement. Le jeu d'avant m'a prouvé que je n'étais pas si bon que ça, donc je vais faire en easy. Il n'était pas facile, hein, voilà. À ton excuse, il n'était pas non plus. Voilà, c'est ça. Alors, décris-nous un petit peu l'univers de ton jeu, si tu veux bien. Pas de soucis, donc, tu as une petite cinématique d'intro qui te présente les deux personnages, les deux dragons vert et orange, Dinky et Minky, donc les Twin Dragons, sœur, qui protègent l'œuf de leur futur frère ou sœur, qui est donc volé, comme tu peux le voir, par un sorcier. Donc ça se passe sur une île, où ils sont en haut d'une montagne, tu as une tour voilà, qui est à l'autre bout, on va voir l'île du dessus après. D'accord. Donc le sorcier vole l'œuf et fait disparaître tes dragons voilà, à chaque bout de l'île. Ah j'adore la petite map monde, c'est très mignon. Voilà, donc tu vas attaquer avec le premier dragon, le dragon vert, là t'as pas le choix. Les heals. Tu attaques voilà, par le premier niveau, très simple. Alors ça te rappelle quoi comme jeu là, comme ça? Bah déjà la petite cinématique de début comme ça fait un peu Kirby Adventure je trouve. Il y a un Kirby petit Adventure. Peu aussi... Ouais, Kirby Adventure, il avait un panneau comme ça, cinématique de début, petite expérience. Ouais. Peut-être il y a un peu un côté Sonic aussi, c'est vrai, de Hills, Green Hills, tout ça. Moi, je m'en rappelais plus sur Sonic, tu vois. C'est vrai. Ah, après, déjà... Sonic n'est pas sorti sur NES, donc bon, c'est vrai. Ouais. Je pensais à un jeu NES, en effet. Ah bah déjà, ça se contrôle très bien, le personnage. Quand il saute, il a un côté Megaman, quand il lève le bras comme ça. Exactement. Même au niveau de l'inertie, ça me rappelle un peu ça, c'est très bien. Et les bouboules? Et les bouboules, bah aussi pareil, oui. Le Mega Buster avec le rythme de 3 à la fois voilà, à l'écran. 3 à la fois à l'écran. Et ça, voilà. Ça, c'est une limite de la NES ou alors c'est pas une limite de la NES, c'est enfin, indirectement, oui, de la NES. Comme on peut pas afficher beaucoup d'éléments à l'écran, on limite généralement les balles. Qu'est-ce que ça fait là? C'est le jeu. J'essaie de faire le Konami Code. Il faut le faire à l'écran titre. Bah voilà. J'aurais dû m'en douter. Bien vu. Hop là. Avant, du coup, c'était diffusé en live. Tous les gens qui regardent cette émission vont le savoir. Bon, l'information, bah écoute, tant mieux pour eux. Ça c'est fait. Bon, après, c'est un code qui est connu, mais bon. Oui. C'est bien d'avoir fait. C'est toujours un bon classique de gazer le Konami Code où que ce soit. Voilà, un petit clin d'œil. C'est la petite référence geek, bon rétro pour le coup, parce que moi j'étais pas né à cette époque. Mais oui, ça fait plaisir à voir. Voilà, ça c'est le fameux pyramide avec un creux et l'autre pyramide dans Mario, ça. Voilà, pour justement apprendre quelle hauteur tu peux sauter en hauteur et en longueur. Voilà, ça pour c'est découvrir un petit peu le saut. Tactique de game designer pour apprendre naturellement les contrôles du jeu et tutoriel, les limites de son personnage. Dans un environnement sécurisé, tu vois, il n'y a pas encore du vide, mais plus tard, il y aura la même chose avec du vide, à tous les coups. Voilà, un peu comme ça, ouais. Mais c'est quoi qui ramasse au fait? Des piments. Des piments, oui, c'est un dragon. Des piments, tu as ton compteur de piments, voilà, en haut à gauche, les piments verts. Donc, comme les pièces dans Mario, au bout de 100, ça te fait une vie. D'accord. Et donc les cœurs que tu peux aussi ramasser qui sont ton énergie. Au début j'ai cru que c'était des haricots ou des fèves, j'ai trouvé ça bizarre.
Après, plus tard, on en rencontre de couleurs différentes. Et là, ils sont rouges et tu craches du feu. Donc là, voilà, tu as des piments rouges, des power-ups de piments rouges qui te permettent de cracher des grosses boules de feu. D'accord, bah voilà, ça j'aime bien justement, c'est la puissance de l'haleine pimentée. Bon, de toute façon, on veut mieux que ça soit dans ce sens-là que dans l'autre. Désolé. tu m'as pointé du doigt quand t'as dit l'haleine pimentée, du coup j'étais. Voilà, non, ne te sens pas visé, c'est fortuit. C'était un faux geste. Alors lui, il va être pénible. Ah, voilà, non. Bon, donc le dragon n'aime pas l'eau, manifestement. Voilà, c'est pas évident. Il n'aime pas l'eau ici. L'histoire en fait, c'est que c'est deux dragons qui ont perdu leurs ailes. En fait, le sorcier leur jette un sort, donc leur prive de leurs ailes. Ils privent de leurs ailes. D'accord. Et après, les envoie à des endroits différents de l'île. Donc lui, avec lui, on va pouvoir avancer et nager un peu plus loin dans le jeu. Et avec l'autre dragon, on va pouvoir récupérer des ailes et voler. D'accord. Et à la fin du jeu, on pourra alterner pendant les niveaux d'un dragon à l'autre selon les situations. Pour être un peu plus stratégique. Mais à deux joueurs ou en solo? Un seul joueur, d'accord. Donc, parce que du coup, moi, quand je vois la cinématique de début, j'ai l'impression qu'en fait, c'est comme Mario Luigi. Il y en a un qui peut jouer et dès qu'il y en a un qui a terminé de jouer, il peut jouer à son tour. Non, là, t'as vraiment les deux dragons. Tu vas jouer les deux dragons. D'accord. Et chacun avec un petite mécanique de gameplay. C'est intéressant, ça. Là, j'ai pas été jusque-là. Les checkpoints, les petits drapeaux de checkpoint. Parce qu'au début aussi, comme c'était des petits dragons de couleurs différentes, j'avais un peu un côté puzzle bubble, non plutôt bubble bubble qui ressortait. Ouais. Mais en fait, c'est vraiment un jeu de plateforme traditionnel. Déjà, graphiquement, pour de la NES, c'est très très joli, très coloré. Les personnages sont bien démarqués, tout est très visible. Comment vous avez fait en fait? C'est vraiment le processeur de base de la NES? Vous avez rajouté des chips d'amélioration graphique comme les jeux de. De Konami vers la fin, ou comment il s'appelait cet éditeur aussi qui avait fait Sunsoft, voilà, je pense exactement à lui, je pensais à Mr. Gimmick en l'occurrence. D'accord, oui, donc il n'y a pas de chip aussi supplémentaire, c'est uniquement les capacités de la console de base. Waouh. Au niveau des graphismes, donc ce que tu demandais, on avait utilisé des graphismes open source à la base, qu'un mec avait fait libre de droit complètement, donc on a utilisé ça pour le prototype. Et on a continué donc sur la lancée, on a repris les décors, mais on a gardé les personnages et continué le jeu comme ça. D'accord. Donc là, apparemment, je peux faire un. Là, tu peux faire bas et saut. Bas et saut. Ah, d'accord. Ça te permet comme de descendre des plateformes comme ça où il n'y a pas de terre en dessous et des plateformes d'accord. mobiles comme tu as à côté. Je sais pas pourquoi, j'étais un peu débile, j'ai pensé que je pouvais faire un ground pound, tu sais, à la Mario 64 qui écrase le sol, mais. Non, en fait, c'était juste la technique classique du bas et saut ouais, pour ouais, traverser bêtement. Une plateforme par le bas, tout bêtement. Voilà. Mais c'est vrai, il faut se souvenir de ces éléments de game design habituels. Les vieux réflexes, ouais, c'est vraiment très très classique, hein. On n'a pas cherché à innover. Ça marche. Il a pas un méga buster le dragon par hasard. Non. Quand il aura le piment, ce sera un peu l'équivalent. Il crache les boules par ses narines ou par sa bouche? Par la bouche. Par la bouche. Ah oui, non, c'est quand ça va vite, ok, d'accord. D'ailleurs, j'aime bien arrêt sur image. Là, on dirait qu'il a la haine. Merci. Le dragon. Là, il est pas content. Ouais, il est pas content. De profil, c'est pas évident, mais oui, effectivement, là, on voit qu'il y a un petit pixel de bouche qui apparaît. Genre, il plisse les yeux, il est genre, oh, ça fait mal quand je crache ça. Oh, pourquoi je fais ça tous les jours? Il est dans l'effort. Voilà. Il a l'air content en tout cas. Ah, attention, là, ça commence à sortir les pics. Là, c'est pas bon. Ah, là, les champignons, tu meurs. Les piments, tu manges. Les libellules. Attention, la méchante libellule. Voilà, les méchants champignons. Ah, c'est parce que c'est un dragonfly en anglais, c'est ça? Exactement. Voilà. Ah, il est malin. Bien vu, j'avais pas fait le lien, effectivement. Vous êtes les petits malins, les petits coquins. D'accord, donc la démarche derrière la création de ce jeu, qu'est-ce que c'était? La démarche, travailler sur une plateforme rétro, une vieille plateforme 8-bit, challenge technique. La NES, bah parce que c'est une console que tout le monde connaît, il y a beaucoup de documentation, notamment pour développer dessus, et bah, le symbole qu'elle représente. Il n'y a pas plus de raison particulière. Voilà, c'était vraiment. Bah, c'est une console que vous avez connue, que vous avez aimée peut-être. Moi, je l'ai pas eu. C'est une console que j'ai pas eu. J'ai pas eu beaucoup de consoles d'ailleurs non plus. Je suis pas un gros joueur en fait, mais le jeu m'a toujours intéressé. La façon de faire les jeux m'a intéressé. Et voilà, c'était l'occasion de réaliser un rêve de gosse en fait, vraiment. Et quand on code sur NES, on code comment? Avec quel langage? Alors le langage utilisé, c'est de l'assembleur, pour ceux qui connaissent. C'est d'accord. Le langage le plus proche du processeur. Oui, effectivement, c'est ce que j'ai appris en cours. Voilà. Ça va pas être évident quand même. Faut s'y faire, il faut prendre son temps et on s'y fait. Et voilà, un éditeur de texte et un compiler, et c'est parti. En fait, à côté de nous, on a un pur génie. C'est toi le développeur, on est d'accord? Ouais, c'est moi le codeur, ouais. D'accord.
Donc là, tu vois, t'as le piment rouge en haut à droite. Je vois. Donc là, si tu fais haut et tire, tu vas faire des grosses boules de feu qui font plus de dégâts. Ah, ça, j'aime bien. Voilà, haut et tire, donc à la Castlevania en fait, un peu. Exactement. Là, et ça, tu l'as tant que tu meurs pas. C'est pas limité dans le temps. Je vois ce genre de philosophie là. Ah, j'avais pas capté la première fois que j'ai joué. Je croyais que ça s'utilisait, moi. Du coup, je le faisais jamais. Non, tu peux l'utiliser autant de fois que tu veux. Hop là. Donc c'est vraiment, il y a des éléments de Mega Man, des éléments de Contra, des éléments de Castlevania. C'est un petit mélange des classiques, on va dire. C'est ça, c'est l'expérience de tout ce que t'aimais bien dans les jeux de plateforme de cette époque, réunis en un seul, un petit peu, en fait. Écoute, pas spécialement. Ouais, c'est de la plateforme vraiment classique. Comme je te disais, je suis pas un gros joueur, donc j'ai pas énormément joué à tous ces jeux. Mais j'ai pu les voir, en tout cas, fonctionner. Et voilà, c'est tout ce que je trouvais simple et accessible en fait. C'est vrai. Et logique finalement. Ouais, on parlait tout à l'heure avec le développeur de Coloro de la pureté du game design de cette époque, tu vois. Et... Alors là, c'est un peu le contraire pour le coup. Ouais. C'est très fourni en fait. Il y a beaucoup de pixels, il y a beaucoup. Moi, je trouve ça moins. Comme tu dis, moins net en fait. Par exemple, tu verras, bon, c'est juste après ce niveau-là, il y a le niveau de la glace que j'ai essayé. Et plusieurs fois, j'ai cru que c'était des pics, les stalactites. Ah, que tu pouvais battre pour moi. Mais c'est le seul truc que j'ai rencontré. D'accord. Parce que dans les autres niveaux c'était parfait. Bon, après, on est là aussi pour avoir des retours. Mais non, mais bon, voilà, pas c'est de soucis, ça. Hein. C'est pour ça que je trouve ça un petit peu moins net. Mais tu l'as laminé. Ah, mais j'ai torché parce que j'avais le piment alors j'ai l'utilisé. Hein. Voilà, c'est bon. J'ai bien visé, mais je. Et moi j'étais comme. Du coup, je croyais que je pouvais pas l'utiliser et le perdre. Alors du coup, j'ai fait tout à la main manuellement. Je tire à côté. C'est pas la faute du jeu, c'est que t'es mauvais. Ouais, ah je savais pas en fait. Get good. Non, arrêtons de faire du. Non mais c'est vrai qu'il faut repérer les petits détails. C'est vrai, il y a des jeux où à l'époque tu demandais c'est un pic ou c'est un bonus ou c'est un truc. Mais c'est vrai, avec des pixels comme ça, il faut arriver à véhiculer le message et le code. Par exemple, dès le début, tu vois, je me suis pris les pics. Ça, le flocon, c'est vrai. Voilà. Oui, bon, on est encore en train de débattre sur ce buisson de pics, savoir de vraiment faire comprendre aux joueurs que c'est dangereux. Quoi. Voilà, voilà. Ça. Je pense que ça, c'était fait exprès. Quand je me le suis pris, j'ai compris immédiatement. Je vais ils veulent me faire dire que là, élastico du coup blanc, il est plus résistant. Et il est un peu plus costaud. Je me le suis pris. Il n'y a pas de code couleur spécifique, mais effectivement, quand ils changent de couleur, ils vont changer de résistance. Ils ont plus de points de vie. Je vois. Peut-être en mettant juste des stalagmites qui pointent vers le haut, ça pourrait marcher bien. Oui, peut-être plus clairement, ouais. Après, on a utilisé cette forme parce qu'on l'utilise à d'autres moments dans le jeu. Je vois. Mais bon, on peut tout à fait la changer. Alors, en tout cas, vous avez fait le truc qui brille déjà pour indiquer que c'est un voilà, peu spécial. Voilà, c'est ça. Au début, il n'était pas animé, donc c'était moins clair. Mais là, au moins, il bouge, donc on voit qu'il y a quelque chose, il y a une interaction. Oui, ça marche. Ah, oh là, ah, il est marrant cet ennemi-là. Bon, il est mort. C'est fait. Vas en voir d'autres. Je vais en voir d'autres. Mais il avait un gimmick marrant, celui-là, genre quand il est carré, on peut monter sur lui. Quand il est carré, il est invincible. D'accord. Ouais. C'est un peu une évolution de l'ennemi tortue en fait, celui qu'on peut. Qu'on peut tirer que de face, ouais. C'est ça. Ah, on peut pas tirer sur lui là. Pareil, au début, j'ai essayé de sauter sur les ennemis, moi. Et ça, oui, c'est le réflexe, voilà, de tous les joueurs qu'on en fait, joue à Mario. C'est pas Mario, champignon. C'est vraiment Mega Man, quoi. C'est... Ouais. Voilà. Pour le coup. Alors, on crache du feu, faut tout brûler. Voilà, ça y est, je comprends, je vois comment il marche cet ennemi. Il est marrant celui-là. Voilà. Ouais, ça va, il est lent, il va pas te chercher. Alors que l'astico il te fonce dessus, tu vois, regarde là au sol là. Bah, l'astico est plus agressif. Et là, moi j'ai évité les stalactites au début là, j'étais en mode esquive. Ah ouais, d'accord. Esquive, okay. Je fais putain, c'est super dur quand même. Okay. Ouais, c'est juste de la déco là pour le coup. Voilà, est-ce que si je reviens en arrière, les ennemis ils repopent? Au bout d'un moment, ils vont repopper. Donc peut-être pas forcément ceux qui étaient là que tu viens de tuer, mais si tu continues, ils seront là. Voilà. Je crois que c'est 20 secondes à peu près. Ah, 20 secondes, ah oui, vous avez mis sur timer plutôt que sur apparition à l'écran. Non, voilà, ouais, c'est sur timer, tu les tues et au bout de, ouais, ça doit être 20 secondes, d'accord. Au bout de 20 secondes, ils reviennent. Je sais pas si tu connais l'anecdote, il y a Takahashi, je me souviens plus de son nom, mais il se faisait surnommer le Takahashi Meijin en fait. C'était un employé de chez Hudson Soft qui s'était fait remarquer pour sa personnalité et je suis mort. Et j'ai perdu le piment, je suis deg. Et c'était juste après. Voilà. Il s'était fait remarquer pour sa personnalité, son charisme et tout ça. Et c'est lui justement qui est devenu la mascotte des jeux Adventure Island. Le mec, en fait, Adventure Island à la base, c'est un vrai être humain qui s'appelle Takahashi. Qu'est-ce que son nom est, le maître Takahashi, Takahashi Meiji. Il appuyait très vite sur un bouton aussi. C'est ça, il avait le pouvoir d'appuyer genre 14 fois en une seconde, genre tac 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 comme ça. Et c'est à cause de lui qu'on a peut-être eu. Peut-être que les êtres humains, ils peuvent pas faire ça habituellement. Peut-être qu'on devrait booter le bouton turbo. Ouais, c'est ça, voilà. C'est à cause de lui, parce que les gens voulaient pas voir le seum à côté de lui, qui ont inventé le bouton turbo. Je crois que il a raté le piment. Oui, je sais, mais je vais revenir voilà. Ah, ils ont bien vu là. Bon, okay, alors, si t'attends, elle va réapparaître toute seule, hein, la plateforme. Voilà. T'es pas obligé de la quitter, ouais. Hop, voilà. Bravo.
Et donc, ce monsieur, j'ai failli perdre le fil. Non, voilà, ce monsieur, en fait, à la base, il s'était fait remarquer parce qu'il avait réussi à décoder un peu la programmation assembleur de la NES. Il avait même, du coup, développé pour Hudson et pour Nintendo le Family... je sais plus quel nom ça a, mais en gros c'est un accessoire de la Famicom pour développer directement de chez soi en l'achetant au niveau amateur des jeunesses en fait. Un clavier. C'était le avec Family Basic. Ouais, voilà, le Family Basic, oh, exactement. Je me souviens de l'anecdote, c'est ça. C'était un clavier, on pouvait la brancher sur la NES et directement coder à l'intérieur ses propres jeux dessus. D'accord. Ah, il y avait ça à l'époque. Ça, c'est le genre de truc que tu trouves pas ici, enfin maintenant sur les nouvelles consoles. Là maintenant tout est protégé. C'est vrai, tout est balisé, protégé. Faut attendre que quelqu'un sorte un soft directement pour développer dessus. Du coup, pour sortir un jeu NES, t'as dû faire une demande auprès de Nintendo? Non, il n'y a pas de souci avec Nintendo. Tous les brevets ont plus de 30 ans, donc ils sont expirés. Tant que tu marques pas Nintendo partout, que tu n'utilises pas le fameux Seal of Quality que tu avais sur les boîtes, il n'y a pas de souci. Ou que tu n'utilises pas Mario dans ton jeu, évidemment. Voilà. Ils peuvent pas t'embêter. D'accord. Ah, c'est pas mal. Ça évite beaucoup de paperasse. Exactement. Et puis les attaquants de justice, Une licence, une autorisation à Nintendo qui est très coûteuse, ce serait pas possible. D'autant qu'ils sont très au taquet Nintendo là-dessus. Hein. Comment ? Ils sont au taquet Nintendo là-dessus, surtout ce qui est licence. Ouais, faut pas utiliser leur image du tout. Hein, c'est... Ils aiment bien voir la main de bout en bout. Bah, en même temps, ils ont appris leur leçon. À l'époque où ils avaient moins la mainmise sur leur franchise, bah, ça a donné des trucs comme Super Mario Bros. Le film et le dessin animé Zelda. Donc, mine de rien, je pense que je comprends pourquoi ils sont devenus parano. C'était aussi l'époque de Super Mario Time Machine et de Mario Is Missing et de Mario Apprend à taper au clavier. Donc, c'est. Bah, Mario Hotel était très bien. Moi, j'étais nourri au CDI en étant. D'accord, c'est bien. Et le Zelda aussi, hein. C'était mes premières expériences avec les jeux Nintendo. Oui, voilà. Et maintenant, ça a eu sa renommée sur Internet comme on le sait. Hein. Voilà, hein. Bah, heureusement, on n'a pas des jeux aussi mauvais en face de nous. Hein. Pour ce Indie Game Show, on a vraiment la crème de la crème. C'est maniable. Avec une Dragon. C'est maniable, c'est marrant. C'est gentil. Franchement, on aurait dit un petit titre Sunsoft perdu dans le temps, en fait. J'aime vraiment bien. Le truc, c'est ce qui est dommage, c'est que j'entends pas la musique, en fait. C'est dommage parce qu'elle est très très bien, la musique. Ouais. Alors, tu sais pourquoi, Yann ? Non. J'ai une question justement. Est-ce que tu as suivi de près, j'ai l'impression d'avoir vu un jeu que Marcus avait fait, c'était Saturday Man. Enfin, Marcus avait fait. Il avait participé au court-métrage de Saturday Man. Est-ce que justement tu avais déjà vu à travailler avec eux ou justement tu trouves cette initiative super bien ce qu'ils ont fait? Je trouve l'idée très bonne. J'avais suivi un petit peu Saturday Man et notamment l'aventure du jeunesse qui préparait. Je suis passé les voir tout à l'heure, j'ai vu qu'ils avaient le jeu en démo, donc j'ai été regarder ça. Bon, malheureusement, le développeur était pas là, donc on n'a pas pu discuter. Mais voilà. Merci, monsieur la régie. Non, mais ça aurait été l'occasion d'échanger quelques mots techniques, mais voilà. Oui, la glace, c'est chiant. Un petit coucou, leur j'ai du mal à comprendre. Ça limite l'inertie, en fait. Ouais, c'est ça, voilà, de loin, c'est vrai que des gens qui font des jeux sur la NES, il n'y en a pas, il n'y en a pas des masses, c'est sûr. Mais l'initiative est très bonne. Ouais, moi aussi j'ai essayé. On a tous essayé. Moi ça j'apprécie. J'ai l'impression qu'il y a une scène homebrew comme ça sur des vieilles consoles. J'aime beaucoup. Par exemple, je sais pas si tu sais, mais il y a une grosse scène Dreamcast en fait. Ouais, Dreamcast est en train de grossir de plus en plus. Il y a beaucoup de projets intéressants qui sortent sur la Dreamcast. Ouais. Et il y a un éditeur, il me semble que c'est Josh Prod, qui en sort de plus en plus, enfin, qui permet de les éditer en tout cas. C'est ça, il y a encore des jeux Dreamcast qui sortent de nos jours, alors que pourtant Sega a lui-même tué sa console très vite. Les gens qui ont eu leur Dreamcast, ils sont restés fidèles, quoi. C'est ça, c'est quand même beau. Ça reste une bonne console quand même, et les outils de développement sont assez accessibles, donc c'est... Je pense que si des développeurs aujourd'hui qui font des jeux sur Unity et compagnie veulent s'essayer à la Dreamcast, ils y arriveront sans problème, je pense. Ouais. C'est vrai qu'en plus, même sur ces paramètres, de base, la Dreamcast, c'est super facile à pirater en plus. Hein. Oui. Je veux dire, voilà, les GD-ROM, voilà, tu gravais un CD normal, tu mettais Utopia dessus, tu attends que le petit Ren y tourne, et puis tu lançais le jeu. Quoi. Après, le petit problème, c'est que la Dreamcast, elle a pas 30 ans d'âge.
et que pour développer un jeu, t'es obligé de passer par Sega. Ouais, alors là, je connais moins bien le terrain, mais ouais, j'imagine que ça doit être un peu différent. Ouais, t'es obligé de payer là par contre. Mais je crois que Sega est quand même plus flexible que Nintendo sur le sujet. Ah bah oui, bah la preuve, les fun games Sony qui courent pas après pour les enlever. Exactement. Et d'ailleurs, c'est des gens qui ont fait des fun games Sony qui maintenant ont développé Sonic Mania. Sonic Mania, ouais. Voilà, ils ont une certaine culture de leurs fans, tu vois. Comme c'est des gens qui sont assez regrettés dans le monde du rétro gaming et du jeu vidéo en général, bah ils savent que en étant gentils avec eux, ils vont être super giga gentils avec nous. Alors que Nintendo, ils pourraient te donner des baffes et te pisser dessus. Bon, bah t'es obligé d'aimer Nintendo quand même, hein, parce qu'ils existent, ils ont les licences les plus fortes du monde. Donc voilà. Oui, c'est ça. Mais j'exagère, hein, voilà. Nintendo, j'aime ce que tu fais, je suis pas d'accord avec tout ce que tu fais, mais... Continue de faire des bons jeux. Côté, hein, voilà, ils sont là-bas, ils sont juste là-bas. Voilà, je fais la différence entre ceux qui font les jeux et ceux qui vendent les jeux. Tout simplement. C'est vrai. C'est pas le même métier. C'est pas le même métier. C'est pas les mêmes philosophies. Mais j'apprécie quand même la démarche. Alors là, ça y est, ça commence à devenir plus parcours, là, plus technique. Hop ça là. Se complique un petit peu. Ouais. Hop là, en plus, là... Comment est-ce qu'une libellule peut envoyer des boules de neige? Explique ça. C'est vrai que c'est bizarre. Ouais. Ah, c'est une île un peu particulière, il y a eu un nuage radioactif. Donc il y a... Allez, théorie. Est-ce que Twin Dragon se passe dans le monde post-apocalyptique des humains? Non, pas du tout. Faites vos fanfics. Ce qui est bien, c'est comme l'histoire elle tient en trois lignes, on peut trouver une excuse à tout dans le jeu. Oui, voilà. La liberté d'interprétation des jeux rétro. Hop là, voilà, je commence à comprendre un peu. Ça, j'ai l'air de pouvoir grimper dessus. Donc apparemment, vous avez développé un système aussi de chemin par le haut, on dirait. J'ai l'impression qu'il y a pas mal dans les niveaux, qu'il y a des choses qui se passent en haut, on ne peut pas accéder en alors, fait. Je veux pas lui spoiler, mais va plus loin, tu vas comprendre. D'accord. C'est pour ça. Ah, okay, en fait, ouais, comme c'est un scrolling linéaire, on peut revenir en arrière, mais il est uniquement horizontal et pas vertical. Oh, la chance. Pour donner un peu de l'intérêt et utiliser le décor qu'on a tout en haut, plutôt que de tout mettre en bas. On d'accord. A essayé de mettre ça sur deux étages le plus possible, de faire des cavernes à certains endroits. Et donc ce niveau il est un petit peu particulier puisque tu arrives au bout, tu as le checkpoint qui est là, mais le drapeau pour la fin de niveau il est au tout début, donc faut que tu te repasses tout le niveau dans l'autre sens. Les malins, d'accord, faut que je fasse au sens inverse quoi. Voilà. Et si tu tombes, et si je tombe, tu recommences. Ah ça j'ai horreur de ça. Vous êtes maléfique. Je te rassure, il y en a qu'un comme ça, mais il est sympa. Voilà, c'est le petit challenge. En fait, tu fais une fois et après tu comprends rapidement. Donc, oui, à force. Ouais. Comme tu ne meurs pas, il n'y a pas de punition derrière. Non, ouais, c'est pas punitif. Après, j'ai fait exactement la même. J'ai cru qu'on pouvait marcher sur les. Non. Je déteste tout. Tu es un mauvais être humain. Pourquoi tu as fait ça? Alors, c'est pas moi qui ai fait le level design, mais je passerai le mot au graphiste. D'accord. Bon, allez, on va la refaire. Hop là, hop là, hop là. BG, skill, skill, skill. Tais-toi. Tu commences à bien maîtriser l'inertie sur la glace, sauts. Ah bah j'ai fini Mega Man 2 et Mega Man 3. Oh, bah, c'est on sent l'habitude quand même. Je connais un peu les bails. Je connais un petit peu le genre de maniabilité. C'est vraiment rappelle beaucoup. J'ai les réflexes qui me reviennent, tu vois. Et ça j'apprécie. Alors, c'est bon signe, c'est que le jeu est plutôt cohérent avec la console et l'époque. Exactement. Hein. Franchement, manquerait plus qu'il y ait des wall jump façon Ninja Gaiden et je serais heureux, tu vois. Ce serait le jeunesse ultime un petit peu. Bah, dans le prochain peut-être. Dans le prochain, ouais. Alors tu peux geler dans les airs. Tu peux geler dans les airs. C'est le concept. Logique de jeu vidéo, d'accord, tu ne discutes pas. D'accord, ok. Parce que en fait, c'est des boules de neige magiques qui annulent la gravité. Waouh. C'est le lore officiel, c'est écrit dans la notice du jeu. Oh non, y a pas de soucis. Voilà, et là, tu arrives au deuxième boss. Ah, le deuxième boss, du coup, on va se le faire. Je pense que ce que je vais faire. Moi, je suis rendu au deuxième boss. Hein. T'es déjà rendu au deuxième boss? D'accord. J'ai pas réussi. T'as pas réussi. Et j'ai pas réussi. Je vais aller au-delà de tous les cas d'AP Fight qui m'ont précédé. Au-delà de nous. Montre-moi ton skill. Au-delà de tous les joueurs. Tu verras que c'est pas évident. Bah, remarque, moi, je tirais normalement. Je voulais pas utiliser mon piment rouge. Hein. Je pars toujours du principe que. C'est vrai aussi, c'est vrai. Et du coup, pour parler un peu du jeu, je voulais savoir, au niveau du studio de développement, vous êtes combien sur le jeu? Donc là, on est 3 sur le jeu. Moi, je suis au code, il y a un graphiste et une autre personne qui fait la musique. Donc Martin qui fait les graphismes et Mathieu qui fait la musique. Bah, franchement, c'est nickel. Hein. Vous avez vraiment géré. Hein. Le jeu, c'est fluide, c'est beau. Ça donne envie d'y jouer. On a vraiment essayé de faire quelque chose de, entre guillemets, le plus professionnel possible, le plus fini possible. De pas laisser...
de petits à côté mal faits. Voilà, donc là en fait tu peux lui tirer dans la tête quand il n'y a plus la carotte. Voilà, j'ai bien compris. Hop, voilà. Hop, 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 et voilà. Voilà, nickel. Allez, sans rancune. Je crois que j'avais même pas compris ça en fait. En fait, moi je tirais sur la carotte, je fais mais il est invulnérable, bon sang, mais voilà. Comment vous faire là, tu le sauras pour tout à l'heure, tu pourras revenir le faire. C'est ça, je tournerai. Bah écoutez, j'aime beaucoup ce petit jeu. Et bah, merci à toi. J'adore. Merci beaucoup. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on pourra l'acheter, se le procurer Alors pour se le procurer, sur internet, sur brokestudio.fr ou twindragons.fr, peu importe. Oui, on n'a même pas parlé de ça. Hop. Voilà, le meilleur. On regarde, ça peut avoir un fin. Regarde, on a ça, fait une belle boîte. Ça déchire, ça. C'est magnifique. Avec la une vraie cartouche dedans, si j'ai bien compris. La sortie du jeu est prévue pour début janvier. Je peux ouvrir Bien sûr. Merci. Je t'en prie. Et donc, on peut le précommander sur notre site. Waouh, il y a vraiment l'étiquette et tout sur le côté pour le ranger. La tranche, voilà. L'étiquette sur la tranche, détail très important. Faites ça, les éditeurs, là. Mettez des trucs sur la tranche. Et voilà. Magnifique. Comment ça se passe? Est-ce que vous récupérez en fait des vieilles cartouches de Mario plus Duck Hunt et vous les shippez, c'est ça? Non, c'est que de la pièce neuve, il n'y a pas de cannibalisme. D'accord, on peut récupérer les moulures originales pour refaire soi-même ces vraies cartouches NES ou... Il y a même un mode d'emploi à l'ancienne. Un mode d'emploi en couleur. Oui, parce qu'on n'en voit plus des modes d'emploi maintenant. Bon, c'est du travail d'orfèvre. J'adore vraiment. Mais est-ce que vous comptez peut-être sortir ça, mais par exemple... sur des consoles en tant que jeu indé, par exemple jeu rétro qu'on peut avoir sur Xbox Live ou la eShop ou genre de choses en plus dans ma cartouche. Alors ce serait le rêve. Développer sur la NES impose plein de contraintes qui font que c'est très difficile de porter le jeu sur une autre plateforme. Je vois. Le seul moyen rapide et facile, c'est de passer par un émulateur. C'est ça, et créer un émulateur interne au jeu en fait. Voilà, exactement. Donc, on pourrait faire encapsuler ça dans un émulateur spécifique pour le jeu et après pouvoir le porter sur d'autres consoles, etc. Eh ben, c'est magnifique. Moi, je vais céder ma place à d'autres gens de Canapé Fight pour le coup. Merci beaucoup de m'avoir invité, c'est vraiment génial. Mais y a pas de problème, merci à toi d'être venu. Merci beaucoup à Peter, c'est super sympa de m'avoir invité du côté des indés. Moi, je vais continuer. On espère que ça t'a plu. Voilà, mais ça m'a beaucoup plu, j'ai vraiment beaucoup aimé. Merci à toi. C'est très convivial et je veux la caisse de Clémentine en fait. Je veux toute la caisse de Clémentine, s'il te plaît. Ah bah, tu peux en prendre une ou deux, mais après, c'est à Peter qui veut demander. Moi, je suis pas responsable de la caisse de Clémentine. Non, mais j'aime beaucoup. Et bah, merci beaucoup aussi pour avoir découvert ce jeu. Merci à toi. Merci à toi. Voilà. Donc, si je peux me permettre une dernière petite pub, retrouvez-moi donc sur YouTube, Ermite Moderne. C'est ce que je fais. Normalement, je serai en peignoir à ce moment-là. Désolé. N'hésitez pas à découvrir aussi les chaînes de mes amis, je les ai mis sur le côté. Et j'espère qu'à l'avenir, dans ma chaîne, je pourrai reparler de tous ces super jeux que j'ai joués aujourd'hui. Ah bah il faut. Parce qu'il y en a vraiment plein d'autres. Là, attends, la TT2, mais ils sont tous super géniaux. Même la manette, ils ont mis les stickers sur les manettes là, comme à l'époque. C'est elle est bien, elle est bien finie, hein, franchement, ça claque. Hein. Ça sent l'amour, ça. Ça sent l'amour. C'est pas mal. Bah merci beaucoup encore. Merci à toi. Merci. On envoie le trailer du coup, sur ces belles paroles.